Oh, elle est lourde, sa mère. Allez. Oh oui. Oh. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Marseille parce que Tristan nous a invités pour l'ouverture de son nouveau restaurant. Donc on sait pas trop à quoi s'attendre, il nous a dit il y a plein de petites surprises. Mais on va jouer le jeu parce que ça peut être rigolo. Et comme c'est un gars qui aime bien apprendre plein de choses, il apprend le ski, il apprend le parachute, plein de choses comme ça, on a envie de le faire cliff. On sait pas trop où on va sauter avec lui, mais on a envie de faire ça. C'est parti. On est dans le resto de Tristan, son nouveau resto. Et là, il va apprendre à sauter directement dans le vieux port. Il y a plein de monde. Irréalité, dangerosité, vieux porité. Frère, il y a des poissons chats comme un dans le vieux port. Tu vas pas dans les trottinettes. Il y a des trottinettes. Mais ça va, tu te mouilles la nuque. Mais tranquille. Et avec le piment, ça va faire un choc thermique à l'intérieur. Je sais pas si tu sens la vague, mais faut y aller maintenant. Allez, my friend, ça part. On va sauter dans le vieux port, ça va faire plaisir avec le temps qu'il fait là, ça va être incroyable. T'es chaud ou quoi? Salut, oui, bah j'adore me jeter dans le port de l'eau de la plus propre de France, j'adore. Oh là là, génial, quelle détente. T'as jamais sauté? Non, frère. Putain, non, en vrai ça va être cool. Non frère. Quand t'arrives dans l'eau, juste tu te gaines bien fort. Mais vous l'avez déjà fait dans le vieux port? Pas moi. En fait le projet là c'est de monter sur une espèce de maisonnette en bois et de sauter d'en haut. Bon là Tristan il a jamais cliffé. On va l'embarquer dans un truc déjà assez chaud. On va voir comment ça va se passer. En plus il y a la sécu là. On vient d'ouvrir le resto là-bas et en fait les gars ils nous ont mis au défi de sauter dans l'eau. Et on peut pas le faire dans ton dos, sinon tu vas te faire engueuler. Et on va sauter ici. Impossible. Oh, faut chercher un autre pote. Ok. On va sauter de là. Du coup, pour y aller, faut faire un petit water challenge. Et je sens Tristan, il. Mais Starfou là par contre. Starfou là. Non. 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 Fuck. Mais ça c'est la boucle, ça. Oh il a tellement glissé. Vous avez vu la glissade ou quoi? C'est incroyable. Donne la main. Allez vas-y. Prends l'élan ta mère, prends l'élan. Non prends l'élan. Tu sais que je vais t'agripper le bras. Vas-y donne la main, donne la main. Allez 3, 2, 1, let's go. Allez. Oh. Let's go. Non t'inquiète, pas de traitement de faveur. C'est bon? Pas de traitement de faveur. Bonjour. Bonjour. Ok, on fait un saut, on s'en va. Je vais faire un petit plongeon. Non, mais test dernier. Pourquoi ça te fait ça? Ah, on vient de sauter. On en a pour 2 minutes. Dans 2 minutes, on est parti. 2 minutes. On sera plus vite parti par l'eau que par ici. Promis. 2 minutes. Allez, merci. Allez, tous à l'eau. C'est parti, tous à l'eau. Allez, Tristan. Il y a des bidons d'acier. En fait, faut pas sauter par là, mais là, ça le fait. Oh, c'est bon. Oh bon, on va faire une trottinette. Ouais, vas-y. C'est boss. Check là. C'est pas l'eau la plus propre. Hein, qu'on non. Allez là. What? Waouh. On n'y fait pas. Mais ça fait pas dire. Ok, le premier qui ramène. Oh, s'il te plaît, sors le prochain. Oh oui. Oui. Oh oui. Elle est lourde. Pour un deuxième homme. Oh, elle est lourde sa mère. Oh, elle est plein de merde. T'as bien joué, Jean. Ouais, Mathieu, bravo. Elle accélère pas. Je pense qu'il n'y a plus de sécurité du coup. On a tous sauté tous ensemble, c'était énorme. On a sorti une trottinette. Et là, on se fait inviter pour prendre une douche. Comment tu t'appelles? Paul. Paul, par Paul, qui est trop sympa. Comme ça, ça régale. Merci de ouf. Oh oui.
Oh oui, j'avoue. Oh, let's go. Merci, mec. Vas-y, on se capte à l'heure. Ciao. Oh, il est vraiment trop sympa. Il nous laisse son appart. La petite douche qui fait plaisir. Ah, c'est incroyable. Bon, après la petite douche chez Paul, qui nous a bien régalé parce qu'on était bien dégueu. Là, on fait route vers les Calanques. Parce que demain on va continuer de tourner une vidéo avec Tristan et on va essayer de regarder le coucher de soleil sur le haut des Calanques. T'as l'impression de tomber et en fait tu continues de descendre. Il fait chaud, il fait beau, on est dans le sud. J'ai recevoir un message de Gaïta. Avec ces choses qu'il vient de dire. Elle a dit quoi? Elle a dit, allez hop, il n'y a pas de raison que je te laisse pas de message. C'est le troisième téléphone que j'ai déusé. L'eau descendait de chez vous. What? L'eau descendait de chez vous, était chaude. Bon, maintenant ça coule plus, on y verra plus clair. Demain on va s'appeler de toute façon. What? What the fuck, je l'appelle? Ouais. Imagine tout ce qui est dans la salle de bain, toutes les serviettes dans ma cuisine, tous les appareils électroménagers, ils ont tous pris la flotte. Enfin bon, c'est... Putain. C'est, j'ai jamais vu ça. C'est les chutes du Niagara. What? What? Mais... Non, parce qu'en plus, ça touche aussi le voisin, quoi. Ça touche le voisin du premier étage, quoi. Waouh. Gros dégâts des eaux dans l'appartement. C'est le début des emmerdes. Il y a les chutes du Niagara, Skip. C'est descendu jusqu'au premier étage. C'est hardcore. J'ai pas hâte de rentrer. Oh ouais, ça va être inondé partout. Là, ça peut ça va être trop la merde. Hein. Ok. C'est chaud. What? Il se passe quoi encore? Mec, il y a le voyant stop qui vient de s'allumer là sur le van, genre en mode on doit s'arrêter directement. Putain, il y a plus de freins, mais si j'ai des freins. Putain, mais c'est hardcore. Mais c'est comme le voyant serve qui s'enlève. Oh, ils sont là. Yo. C'est qui? Je sais pas, mec, je connais pas. Ouais, c'était pas mal. Vous avez sauté ou pas? Sauter d'où? Des Calanques là? Calanques à Pormio, ouais. Ouais, bah on y va aujourd'hui. On suit, c'est super ce que vous faites. Ah yes, bah, ouais, c'est plaisir. Cool, hein, c'est plate. Ouais, on va faire un gros tournage. Merci, salut, bonne balade. Salut, ciao. Salut, ciao. Mais what? What? Il y a un truc de merde qui se passe et il y a un truc bien qui arrive. What? What? C'est une guirlande. Ah ouais, en fait, dès qu'il y a une secousse, le truc il clignote. C'est une guirlande de Noël. C'est Noël en fait. Ah, le pauvre van, c'est bientôt la fin, putain. Pauvre van, il nous a accompagné tellement dans les gros projets. Et c'était écrit, ça c'est dans le destin. Let's go, à l'amour du pain. En fait, hier on a fait un challenge où on mangeait un plat bien épicé et on a gagné 70 balles. Donc ça va dans le déjeuner, merci Tristan. C'est marrant parce que c'est la merde, mais tant que j'ai pas vu l'appart défoncé, je sais pas, dans ma tête, j'arrive pas à y penser quoi, j'arrive pas à y croire. Là on est au Calanque des Pormillou, on va rejoindre Tristan et son équipe, et on va essayer de kiffer de petite hauteur tranquillou. Mais là le spot où on va, ça a l'air d'être trop bien en fait, c'est hyper progressif, du coup je peux vraiment y aller crescendo, ça a l'air trop bien, le but ça serait de les emmener à, je sais pas, 15 mètres de haut, s'ils font un saut de 15 mètres, ça serait déjà bien. On va aller chercher les frérots, ça va partir en grosse session clic, ça va être stylé. On est sur une vidéo en fait, on se leur fait affronter la plus grande peur,
Donc on est trois dans mon équipe sur les tournages. Là c'est Dilou, mon assistant et meilleur pote. Et Dilou il a le vertige à la base. Bah là on va essayer de déterrer un peu les potes de Tristan à sauter. Je crois qu'ils ont jamais fait ça et il y en a un qui a très peur. Donc on va essayer de déterrer à faire progressivement. En plus ça va vous montrer que on peut apprendre progressivement à sauter. C'est ouf. Et monter les hauteurs petit à petit. Je sais pas s'il va faire beaucoup aujourd'hui mais déjà kiffer de quelques mètres. Et puis c'est le principal. Bon ça va être très 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 short. Parce qu'ils ont un train à Marseille dans pas longtemps. Du coup on a 45 minutes pour tout envoyer. Ça va être la session express les gars. Ce qui est fou c'est que le mec qui a peur de sauter, il a fait un saut en parachute, il a passé longtemps. Et là il a peur de sauter de quelques mètres dans l'eau. Il y a les sirènes. Allez my friend. Allez mon gars, tranquille. Allez. Vas-y. Tu sautes en avant. Et après, hop, tu te mets comme ça. Ouais, voilà, on va bien le faire progressivement parce que là, il a vraiment peur. Et petit à petit, il va prendre en confiance, du coup, c'est ça qui est cool. Allez. Ouais. Voilà, progressivement, on va monter petit à petit là. Et il faut juste qu'il apprenne à avoir une meilleure technique pour après monter encore. Parce que s'il sort les bras comme ça, de beaucoup plus haut, ça peut faire mal. Mais là, en dessous de 5 mètres, ça va. Ça fait peur, mais ça va. Ouais, moi, j'ai pas un truc comme ça. Ça va le faire. Paris, moi. Mais oui, ça va le faire. Je suis au premier étage. C'est trop cool parce que là, il part vraiment de zéro. Et c'est vraiment, faut lui apprendre, faut le rassurer. Il a peur de plein de trucs. Mais ça va vous servir aussi à vous. La perdre. Allez, on peut pas tirer la chose. Let's go, boy. Allez, 3. Allez, 2. Let's go. Là on va monter aux 12 mètres. Tristan il va se chauffer. C'est un 10 là. Oh. C'est bien. Oh. 10 tu vas kiffer. Bah, on va dire les techniques les refs. Alors, tu sautes bien en avant, tu regardes l'eau, et quand tu arrives auprès de l'eau, tu fais comme ça et tu rentres comme ça. T'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Touche mon cœur. Non vraiment, touche mon cœur. Ça va très proche. Ça va un petit peu trop vite entre nous. Je pensais pas qu'on allait se rapprocher à ce point, mec. Ok frérot, l'objectif pour toi de cette vidéo, je te jure, c'est les 10 mètres. 10 mètres, c'est symbolique. Le Weezy Gang est là pour t'encadrer, frérot. On est avec des professionnels. T'inquiète. Ce qui me motiverait, c'est que... qu'il y ait des mecs en bas, un mec en haut, t'inquiète. Et un mec qui sort en même temps. C'est exactement ce qu'il va y avoir. T'inquiète, on va faire ça. Hein. Allez frérot, c'est pour toi. 1, 2, 3. Vive la vie. Let's go! Let's go! Yeah! Incroyable! Putain, en vrai, il est passé de 2 mètres, même pas 1m50 à 10 mètres en même pas une demi-heure. En fait, ça se rend rapidement parce que on n'a pas trop le temps et c'est pour leur vidéo. Mais quand vous faites des trucs comme ça, n'hésitez pas à revenir. Sur des petits sauts de 2 mètres pour après monter progressivement. C'est trop chaud. C'est de la folie. Si vous faites un peu de bruit, on fait un truc joli. Faites du bruit. Allez. Ok. Allez. 3, 1, let's go. Mec, ça part tellement. T'as juste à te lâcher, frère. C'est n'importe quoi. Je commence à avoir très peur de cette vidéo. Allez. Mec. Oh, comment je l'ai subi. Oh, ça s'est trop bien passé. Bon, maintenant, c'est à Dilou de le faire. C'est ton moment. Yes. Et ça, c'est la première. Yes. Oui. Yes. Bravo les gars. Putain. Let's go. T'as fait 12 mètres frérot. En vrai t'es chaud sa mère. Je l'ai fait putain. Si les frères, c'est les boss. Moi je prenais dans le rush comme du temps. On est en train de se tracer. Parce que Tristan il a son train. Et on doit l'emmener à Marseille. Du coup, on doit vraiment tracer comme des malades. Nous, on va faire des vidéos jusqu'à ce qu'on soit mort, les gars.
Du coup, abonnez-vous parce que ça vaut le coup. Ils vont jamais avoir leur train. Yes. Allez, let's go, let's go, let's go. Ça va être le rush total, on va courir, on va prendre les valises et Inch'Allah ils ont leur train. Mais moi j'y crois à 70%. J'y crois à 70% et puis. 100%, en chape, je suis en train de me faire une tranche de l'air d'hameur poulet au cam dans le Whitzy van. Allez, allez. Vas-y, on prend ça. 1, 2, 3, 5. Putain, on l'a fait. Bon, la mif, YouTube c'est dur. Woody Gang, c'est vraiment des amours. Vous avez intérêt à tous vous abonner, tous péter les pouces bleus sur cette chaîne. Vraiment, regardez, on a un service de voiturier. C'est nos affaires. Regarde, elle fait 40 kilos cette valise. Regardez, c'est un service de qualité. Attendez, je vais faire du piano. Je fais du piano vite. Pascal, quitte, les gars. Ouais. Oh, merci, c'est pas ça. Une bombe. Voilà, c'est pas une bombe. Putain, ouais. Bon. Les gens. Ciao. Incroyable. Check. Oh, merci beaucoup. Merci. Putain, j'ai envie de prendre le train avec eux tellement c'est, ça me hype. Ah, c'est genre de rush. En vrai, c'était incroyable. J'aime trop, j'ai l'impression, on est dans Pékin Express. En fait. C'est quand qu'on fait ça? Vas-y, tiens. Bon, c'est la fin de cette vidéo, on espère que vous avez kiffé. On a passé deux putains de jours avec toute l'équipe de Tristan, c'est avec fou. Paul. Yo. Qui nous a ralassé une douche. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, abonnez-vous. Ciao. Franchement, allez voir les fringues. On y met toute notre life dans ces vidéos. On espère que vous kiffez. À dimanche prochain. Ciao.